Ce qui marque une intempérie dans le parenchyme splénique, c'est-à-dire la rate. Fort bien. Monsieur Purgon dit que c'est mon foie qui est malade. Eh oui, qui dit parenchyme dit l'un et l'autre, à cause de l'étroite sympathie qu'ils sont ensemble. Entrez en plume, plus de oiseaux, de animaux. À la base, j'aurais adoré être prof de français. Comment voulez-vous faire comprendre à un élève qu'il faut dire un pétale et pas une pétale quand tu t'appelles le pop? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? On est ce que l'on s'appelle. Moi, je m'appelle Peter Pan. Et toi? Comment tu t'appelles? Tic et toc et clic et je m'en fiche. Je m'amuse à filer sur les miches. Patiner le soir et la matinée. Patiner sur le tapis satiné. La demi de minuit sonna. Son mari était absent depuis 45 minutes. Elle ne le reverrait plus. Oh non, certainement. Elle ne le reverrait plus. Les migrants. Oh oui. Les migrants. Oh oui, quelle tristesse. Quel scandale! Marisa, vous pouvez rapporter le ruinard pour cette pauvre Sandrine? Le soir, il aime que je montre ma peau dans un petit décolletage à guichon. Il faut allumer le client, l'entretenir dans un constant désir de ma personne. Et naturellement, pour me plaire, le client dépense beaucoup. Hey, moi, j'ai été élevé à la ch'ti, hein? Bière, frites, foot, tuning, guerre! Je suis dans un bar, un mec, il m'enverse ma bière. Gars! Que je croise un mec comme ça, le mec, il... Quoi, tu dis même pas bonjour? Gars! Alors, je parle à un mec, et le mec, tu sais, je lui parle comme ça, et le mec, il me regarde même pas dans les yeux! Le thé sera chaud, le thé sera chaud. Prends la théière et mets-toi de l'eau. C'est pas Jésus qui a dit, buvez, car ceci est mon sang? Je me dis, si ça se trouve, Jésus, c'était une femme et elle portait déjà une cup. À la vôtre.